Hello la compagnie, c'est la Flisse et on se retrouve pour un nouvel épisode, le 13e épisode de Lord of the Fallen. Hop hop hop, châtiment. Ouais non, on va continuer sur Abri. Hop. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça nous réserve. On va enfin rentrer dans cette grande zone. Aïe! J'aurais peut-être dû prendre châtiment en fait. Wouhou! Moi je me protège pas particulièrement. Pas trop. Mais tu crèves? Pourquoi il meurt pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Ah, des locks. Ça se casse ça? Ouais. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Cœur de tyran, objet de quête. Oups! Allez, toi t'es immortel, c'est cool. Ah, j'ai pas eu le temps de faire la roulade. Aïe. D'accord. Merci le renvoi de dégâts. On a eu une super musique épique. Petite clé de l'antichambre OS. Ah! Dites-moi que c'est la clé du coffre. Allez, petit monstre. Hop là. Objet de plus. T'as notre gros ami. Hop là. Notre gros ami. Bonjour! Non! Oh putain, je me suis trompé de truc. C'est ça que je voulais faire. Allez! On est parti. Oh dommage, je voulais le taper dans le dos, j'ai pas réussi. Oh là là! Voilà! Ça c'est fait. Ensuite, encore un petit monstre. Bonjour! Toi tu vas bouger au moment où je vais te taper, forcément. Voilà. D'accord. Bon! Alors, cette zone-là, visiblement, est faite. Ce que j'ai envie de faire, c'est retourner dans l'antichambre ouest pour avoir... Pour avoir le coffre. Voir si c'était bien ça. J'ai été complètement conne parce que... Ouais, j'ai que 500 d'XP. Je voulais garder mon XP pour faire... Est-ce que c'était accessible dans mon nom? Pour faire la grosse rune, mais bon, tant pis. Tant pis. Alors, il faut que je me souvienne. Ouais, c'était ici. Je crois. Non, c'était pas ici. C'était une petite pièce. Une petite pièce qui donnait directement dans la chambre. Enfin, la chambre. La pièce, quoi. Pièce circulaire. Voilà. Allez, dis-moi que ça va l'ouvrir. Putain, c'est pas ça. C'était pas ça. Alors, c'est peut-être la porte qu'on avait de l'autre côté. Antichambre est, non. Bon, d'accord. Antichambre ouest. Bah je ne sais pas alors. Je sais pas du tout. Il n'y avait pas une pièce... Ah, si, à moins que c'était quand même ici. Il me semblait que c'était dans l'autre salle. Ah non, c'était ici, pardon. Alors ça doit être ça. Oui, clé utilisée. Avec un joli petit coffre à la clé. Alors, éclat des tribus. Oh, cool! Et ruse, armure légère. Ah, il y a un objet là. Ok, yes, encore une plaque antique pour la nana. Alors, rune d'attribut qu'on va utiliser tout de suite. Et je l'ai peut-être encore. Non. Inventaire. Ici. Non, c'était pas dans rune, pardon. C'est ici. Éclat d'attribut. J'ai dû le passer. Là. Oh, j'en ai trois! Consommer, hop. Ah ouais, j'en ai trois! Pas mal! Bah écoutez, on va... Hop là. Bah j'ai pas pris de dégâts là. On va les utiliser de toute façon au cristal quand on va revenir. Oh, t'es... Oups là! Il m'a fait peur lui. Lock. Voilà. Oh, c'est pas cool. Il m'a fait mal, lui. Et cette porte, alors? On n'y est jamais passé par là. Verrouillée.
Oh, il y a encore un coffre en plus. Zut. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, ben, on est reparti. Faut juste retrouver le bon escalier maintenant. Théorie, il est à l'opposé, me semble-t-il. Voilà. Non, c'était pas le bon. Putain, c'est pas le bon. J'étais devant l'escalier et j'ai pas pris le bon. Ça me déconne, quoi. Alors, non, là, il est en face, j'ai dit. Nana qui se perd tout le temps. Oh là là, d'accord, non, c'est pas l'escalier. Ok, désolé. J'ai un peu du mal avec le sens de l'orientation, je pense que vous commencez à le savoir. Oui, c'est pas l'escalier qu'il y a en extérieur, mais en intérieur. Faudrait peut-être que je le repère, ça, au bout d'un moment. Donc, on a eu 3 attributs de plus qu'on va placer en foi, tout simplement. Continue à faire des dégâts. Ici, fois, voilà. Ou alors, je les mets en agilité. Et on a 14. On a 14 et ça nous permet d'équiper certaines armes. Attendez. Petite pause. Petite pause. Bâton. Agilité 8. Bâton. 14. Mais bon, il a pas l'air... Oh, il est classe quand même. 14. Cicatrice. 19. 19, mais... ouais. Moins 9, 1, ça fait pas des masses de dégâts, ça. D'accord. On va essayer, ouais. Hop, progression personnage, on va mettre. Agilité 14. J'ai envie d'essayer ce bâton. Hop, non, c'est pas là, c'est là. Inventaire. Et, pom pom pom. Le bâton, c'est préjugé. Donc, il est largement moins puissant par rapport aux dégâts de feu, qui sont à 72. Bon, après, c'est quoi? Ouais, ça sert à rien ce que j'ai fait. Parce que les dégâts sont basés sur l'agilité. Or, en agilité, j'ai 14 contre 22, quoi. On va quand même juste l'essayer pour voir ce qu'il donne. J'ai encore perdu mon truc. On a moins de consommation d'énergie, il est plus léger et on peut mettre une rune. Sauf que, est-ce que j'ai dépensé mon XP? Non. On va essayer. On va essayer, on va aller retourner voir le forgeron. Comme on se retrouve. Bonjour, forger. Alors, 700 XP, expérience actuelle. Donc, apparemment, le premier niveau est à 500. Ah, on peut pas faire plus, d'accord. On va essayer la grande rune. Ah non, merde. Grande rune, c'est 1000. Bon. Comme on se retrouve. Non, non. On se retrouve pas. On verra ça plus tard. On va... Si, si, on se retrouve. Comme on se retrouve. Oh, tais-toi! On est obligé de te parler de toute façon pour équiper une rune. Donc préjugé, on va lui mettre... J'hésite... Bonus d'échelle d'attribut. D'accord. Donc soit 4 dégâts de feu, soit poison. On va prendre le poison. Et on va voir ce que ça donne. Si vraiment c'est pourri... On repartira sur Camar ou un truc comme ça. Enfin, mon arme de feu que j'avais précédemment. Bref, alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par la droite. On va longer le truc. On va voir ce qu'il y a. On a des grilles qui n'ont pas l'air d'être mobiles. Oups. Excusez-moi, je tousse encore. J'essaie de vous couper les toux. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. J'essaie de vous couper la toux au fur et à mesure dans les épisodes, mais c'est pas toujours facile. Il y a un portail là-bas. Donc en fait, on va pouvoir y accéder différemment. Visiblement, toujours une fois, très linéaire, on n'a pas le choix, on va tout droit. Tout droit. Hop. Ah, aïe, aïe, aïe.
Ah mais non, non, et vous imitez pas à plusieurs, sans déconner quoi. Oh ouais. Ça fait des dégâts et tout, ça fait pas beaucoup de dégâts par contre. Et je peux pas dire mais il y en a combien là? Oh putain, il y en a trois. Attendez, 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 attendez. Hop. Faire ça. Lui, on va le mettre en stase. Lui, pareil. Là. Et hop là. Ah, on peut pas mettre deux à la fois ou ils s'en sortent chacun Alors, on va courir, on va reprendre châtiment. Voilà. Et c'est parti pour les suivants. Châtiment qui m'a servi à rien. D'accord. L'arme est relativement rapide, je trouve, plus que l'autre. Ou alors c'est peut-être une impression, je sais pas. On peut te reprendre abri en fait. Alors, on a plusieurs chemins. Avec des statues, des machins. Bah écoute, on va partir vers la droite. On va partir par là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça? Que dalle. D'accord. Que dalle, que dalle. Oh, on a 9 potions, j'avais pas fait gaffe à ça. Une espèce de porte qui n'est pas une porte. Et c'est possible d'avoir un truc qui se passe au bout d'un moment. Donc là, ces espèces d'escaliers, est-ce qu'on peut les emprunter? Non. Ok, la droite n'était donc pas le bon passage. Rune scellée. Ok, encore une petite rune. Alors, ici on en vient, donc du coup bah, on va partir sur la gauche, qu'on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Lire. À celui qui s'est battu pour nous. D'accord. D'accord, ici. Ah, on a un passage sur la droite. On va essayer d'y aller comme ça. Ok, truc qui a servi à rien. Oh, au final, les dégâts, c'est pas trop mal, j'ai l'impression. Hein. Si jamais on retrouve le même... Oh là, c'est quoi ce truc là-bas? Il a l'air gros, lui. Il a l'air même très gros. J'ai l'impression qu'il y a un autre truc, là. Tant pis, on le rush. Ok. T'as pas le droit de faire ça. Oh, 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 arrête. Aïe, d'accord, 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 t'as le droit de faire ça. Ouais, bon, après il fait pas grand chose à part ce truc là. D'accord. Ok, avec petite musique épique encore une fois. Donc ça avec le... D'accord, il y avait rien en fait. Oh non, quand on marche là-dessus, ça nous crame. Ah oui, d'accord. Bon ben je râlais tout à l'heure comme quoi il n'y avait pas ce genre d'effet, mais finalement si. J'adore son bâton. En plus le bâton est vachement en harmonie avec l'armure. Aïe. Non mais sans déconner quoi. Allez. Bim, bim, bim. Ouais, ça fait que un point de dégâts, là. Je fais n'importe quoi et je me protège même plus, quoi. La nana, elle a pris totalement la confiance. Alors, petit coffre. Épée lourde. As du rôdeur. Ça pue, ce trou, là.
D'accord, ici, il n'y a rien de plus. Bon, il y a un trou, on le sait. Il y a des escaliers ici. Et il y avait encore un passage là-bas qui partait vers le truc. Alors, ouais, avant de s'engouffrer là-dedans, on va essayer le petit passage sur la droite. Vous allez me dire, je suis peut-être pas forcément méthodique. Mais, putain, mais il est où le passage? T'es plus loin? Là. Mais j'ai pas trop envie de m'aventurer dans les trucs à l'intérieur parce que je me dis, si jamais c'est la suite, on a un peu mal quoi. J'ai envie de tout voir. Et je pense pas que l'extérieur soit vraiment très... Allez, viens. Oh, j'ai envie d'essayer un truc. Déflagration. C'est déflagration, hein. Putain, mais faut vraiment être au corps à corps, quoi. D'accord. Est-ce que ça marche, le double poison? Aïe! Ah zut, j'ai pas assez de magie pour lancer abri. Tant pis, je suis enflammé, mais on va essayer de le tuer. 742, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais, les dégâts de poison, c'est relativement sympa en fait. De ce côté-là, il y a un cristal de sauvegarde. C'est tout ce que... Ah si, il y a encore un passage. Ouah, c'est super grand maintenant quoi. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. La foi, c'était la magie. Ça fait chier quand même. Hein. J'ai envie de tirer jusqu'à 19. Les stats, ça va être n'importe quoi. De toute façon, j'ai vu que... On pouvait de toute façon, à un moment donné, replacer nos points. Peu. Peu, j'aime pas ces trucs. Parce que... Ah ! J'étais en train de dire si on tombe, on crève, quoi. Bon, ça va, j'avais pas d'XP, c'est pas très grave. Putain de caméra. Pourquoi? Pourquoi t'as pas sauté? T'as fait une roulade, quoi. Je courais, hein. Je courais, hein. Ouais, je vais y arriver. Allez, on est reparti. Ok. Il est où, le truc? Je ne m'énerve pas. Ok, ok. On va éviter de faire ça à l'arrache. Ah, putain, ouais. Ils ont tous repop, du coup. On va se mettre en face. Et sérieusement quoi. Putain, il est aussi pourri ce saut que le saut où faut récupérer la clé des tours quoi. Là. C'est pas ce que je voulais faire. Non! Putain! Elle m'a sauté dessus avant que je fasse quoi que ce soit. Pourquoi je vois pas sa barre de vie? Oh merde, elle est pas morte! J'ai voulu faire une roulade en même temps, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Oh, plaque antique! Bon, ben finalement, j'ai bien fait de venir ici. Poum poum poum. Ça pourra partir. Tu crois que je t'avais pas vu, toi? Bon, attends, au cas où, je vais quand même aller regarder là. Y a rien ici? Je suis sûre qu'il y a un truc, là. Bon, tant pis. Putain, sans déconner, quoi. Et ils commencent à devenir un peu plus forts, les monstres, là. Là. Enfin, du moins, pas plus fort. Je te PV, surtout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Petit coffre. Ah, oh, un bâton. Arrogance. Mm-hmm. Mais encore. Arrogance.
Agilité 14. Non, pardon. Agilité 16. 34 moins 9. Donc ça nous fait 43, 110, 100. Et actuellement, on est à quoi là? Ah, il est plus fort. Il est mieux le bâton que nous avons actuellement. Je me demande s'il y a un truc dans les fougères là. J'ai pas l'impression qu'on puisse y aller de façon dans les autres. Ouais, non, vous savez quoi, je vais pas la tenter parce que j'ai pas envie de crever. Et faudrait repartir en face. J'aimerais bien voir en face en fait. Je suis sûr qu'il y a un truc là. Non, 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 non. En plus, il y avait rien. Putain, j'ai fait une double roulette, ça a marché quoi. Putain, ça. Oh, les nerfs quoi. Ça m'énerve parce qu'il court au lieu de sauter, il fait une roulade. Ça, franchement, c'est dégueulasse. Bon, ouais, c'est pas grave, 540 XP, on s'en fout. 540 XP. 483, pardon. J'ai envie de mettre châtiment, tiens, on va changer un peu. Mais genre, tu me touches d'ici, tu sais. Aïe! D'accord, 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 d'accord. Mais bouge! Bouge, 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 bouge. Je ne sais pas du tout ce que je lui ai fait. Quelle était cette explosion ou quoi, je ne sais pas. Bon, ok, donc dans ce coin-là, il n'y a plus rien. Il y avait, il me semble, un autre passage. Je sais déjà plus. Bah là, on n'y est pas allé, là. On l'a pas vu, lui. Roule! au petit coup qui le touche. Ah non, c'est vrai, putain! Il est où le truc? Ah, des logs. Il est où? Je vois pas le rayon. Ah bon. Allez, mais il y a trop de monde. Il est où son truc là? J'arrive pas à le voir en fait. Ok. Je prends moins la confiance, on y va un peu mieux. C'est pas ça là? Ouh. D'accord, c'est bon. Ok, j'ai voulu la faire comme ça, c'était pas bon. Ok, c'est ma faute. Bon, rusher, c'est pas forcément toujours l'idéal. Ok, on est d'accord. Déflagration. Explosif, on l'a jamais vraiment testé, ça. Ouais, d'accord. Mais vas-y, tue-le, il va me crever, là. Ok, d'accord. Bon, allez, cette fois, on l'a fait convenablement. On va passer par le haut, déjà. Je suis en train de me dire, mes stats, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref. Donc, on va déjà faire ça. Mais crève, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Espèce de sac à PV. Aïe. Eh non, mais attends, il y en a combien là? Ok. Là, franchement, j'y vais à la bourrine, je réfléchis pas. Hein. En même temps, voilà quoi. On régène bien, on fait du dégât. Alors, vu qu'on voit à peu près ce qu'on fait en dégâts, ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai juste envie, merde, d'essayer lui pour voir où ça en est, la différence et tout. Voilà, voir ce que ça donne.
J'ai l'impression quand même que ça fait beaucoup plus de dégâts. Hein. Je dis ça et je dis rien, quoi. C'est quoi ce bruit? J'entends des chaînes. Armure lourde, on s'en fout. Donc par là-bas, il y a quoi? Ouais, c'est grand quand même, l'extérieur aussi. Il m'a fallu des siècles pour la forger. Quelques minutes ont suffi au regard pour s'en emparer. Mes cristaux de voyage, mon plus grand trésor et ma plus grande perte. Que de puissance emmagasinée. Où les regards peuvent-ils bien vouloir se rendre? Quel voyage les attend? Ouais, non, par rapport à la quantité d'énergie consommée, c'est kiff-kiff, hein. C'est quand même kiff-kiff. Qu'est-ce qu'on a, là? Un objet. Petit objet. Encore un truc ici. Encore ces grandes portes. Est-ce qu'elles vont s'ouvrir ou quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, en fait, il n'y a rien par là. Hop. Éclat de poison. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il y avait ici, visiblement. D'accord, ok. Hop là. Attends, je vois un truc briller rouge juste là, sur le côté. À mon avis, ouais. Un objet de plus. Éclat d'énergie. Bon. Je crois que cette zone-là, c'est bon. Et oula, on est déjà à 27 minutes en fait, j'ai pas vu le temps passer. Donc ce qu'on va faire, on va revenir là où on pouvait descendre sur le côté et on fera ça au prochain épisode. Ouais, je pense qu'on a tout fait là. Ouais, là on en vient. Ouais, ouais, d'accord. Bon, bon, ça va, c'était relativement rapide. Ah si, attendez, merde. Je vais quand même essayer mon bâton. Sur lui. Manière 2. Comme on les a déjà testés. Ça va changer un petit peu. Pourquoi j'ai pas mis... Ouais, bon. Ouais, effectivement, c'est assez kiff-kiff. Bouge, bouge, bouge. Facile à faire son truc de feu, là. D'accord. Ouais, non, c'est kiff-kiff. D'accord. Je reprends mon bâton parce que j'aime bien celui-ci aussi. Et puis ça change un petit peu, poison et tout. On va pas faire tout le jeu avec le même bâton non plus, faut pas déconner. Ici, un ennemi. Oh, même deux. D'accord. Oh, il y avait un coffre, j'ai bien fait. J'aime pas du tout le bruit que ça fait, les coffres qui s'ouvrent. Alors, lourde, sagesse intermédiaire, on sait que sagesse est moins intéressant que l'armure que j'ai actuellement, à savoir harmonie. Donc, je vais même pas regarder, en fait, pour le moment. Mais on vient pas de là. Bah, dis donc, c'est... c'est la caverne d'Adi Baba, ici. D'où on vient? C'est une bonne question, tiens. Par là? Ouais, par là. Bah écoutez, je vais sauvegarder ici, en fait, je vais m'arrêter là, et au prochain épisode, on retournera, je pense que je vais y aller hors caméra, on retournera directement au niveau du trou qu'il y avait à l'étage. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie de me suivre, et je vous dis à la prochaine, bye bye!